Son nom résonne comme ses pas de danse. 30 ans que Chantal Loyal œuvre dans le milieu de la danse avec son énergie débordante. À la tête de la troupe d'Ifekako, elle est actuellement en Guadeloupe pour faire vivre les EHPAD à travers la danse. Et c'est plutôt apprécié. Voyez le reportage de Lise Dolmar, Christian Danquin. Elle a touché le sol, le sable de tous les continents. Des pas de danse entre sonorités africaines et déclinaisons caribéennes. C'est tout un pan de l'histoire du mouvement des hommes qu'elle a toujours exprimé depuis bientôt 30 ans. Chantal Loyal, un profil qui ne laisse personne indifférent, une énergie qu'elle a su diffuser et qu'elle diffuse encore. Aujourd'hui, l'une de ses cibles, les EHPAD, et pour cause. Comme ici, au Moule. Comment faire en sorte que le psychique puisse être bien aussi au quotidien? Et ça, je pense que ça permet aux gens aussi, malgré leur santé, malgré leurs problèmes de santé, à un moment donné, d'avoir un peu de joie et de bonheur à partager aussi entre eux, mais aussi avec des gens de l'extérieur. Une tournée musicale et une équipe, celle de Ifekako, qui a toujours eu pour principal axe de travail l'expression du corps comme une véritable parole qui a le pouvoir de parcourir l'histoire des hommes. Franchement, je peux vous dire que entre Bouillante et Le Moule, ça a été grandiose. Et là, demain, on termine à Port-Louis et nous sommes vraiment très contents de partager ce grand moment avec le Paul Péouen. Et puis notamment, pour cette fois-ci, le pôle santé et social. Chantal Loyal milite pour une chorégraphie métissée qui aurait la capacité de questionner avec son corps notre pensée.